CNS. Okay. Vous les grands, vous êtes tous les mêmes. Voyous publics, bande de voleurs officiels. Si prévisibles, pompeurs de grosses étrennes. Que ça m'irrite qu'il ait bien conçu ce système. Ou bien pourri. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain dépouillement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines grèves. Cette fois ne sera pas la dernière. Le pays nous pique sa crise. Les costards se font la guéguerre pour croquer enfin la cerise, tout en ignorant nos prières. Être celui qui dévalise ceux qui ont la vraie classe ouvrière. Et comme toujours, ceux qui cotisent. Quoi vous non plus, monsieur, vous ne voterez pas pour moi. Mais moi, je vous y obligerai, mon vieux, à coup de 49-3. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain dépouillement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines grèves. Emploi fictif, faut bien aider les pauvres familles démunies, quelques centaines de milliers d'euros à l'heure où on nous dit que la ceinture va falloir serrer. Mais commencez par regarder vos feuilles de paie, les à côté, que le parachute est bien doré. D'où sortent tous ces avantages, si ce n'est pas du pillage? Essayez de vivre seulement avec un SMIC pendant un an. Frais de mandat, le compte est bon. Max SNCF, le compte est bon. Les pointards, le compte est bon. Prime en liquide, le compte est bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain dépouillement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines grèves. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, sous les costards. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, pauvres étendards. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes.